في ديسمبر 1958 وفد من المسؤولين عن الثورة الجزائرية المتكون من السادة بن يوسف بن خدة وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة المؤقتة للثورة الجزائرية ورئيس الوفد، السيد محمود الشريف وزير التسليح والعلاقات العامة برفقة سعد دحلب مدير الأخبار. تم استقبال الوفد من طرف المسؤولين الصينيين في بكين. حاضرا في بكين في نفس الوقت الصناعي الإيطالي أوريكو ماتي. تلعب الصدفة دورها أن يلتقيان الوفدان الجزائري والإيطالي في نفس الطائرة توبولاف المتوجهة إلى موسكو. لسوء الأحوال الجوية تحط الطائرة في أومسك السيبيرية لمدة 3 أيام. كانت درجة الحرارة 44 تحت الصفر. عاش الوفداء نزوات الطبيعة الأم. تحدث سعد دحلب مع الصناعي الإيطالي أوريكو ماتي. كانت التبادلات مثيرة للاهتمام وقربتهم وجهات النظر السياسية التي كانت بينهم. عرض دحلب القضية الجزائرية على ماتي التي أغرته وقدمه بعد ذلك لزملائه. Donc automatiquement monsieur Youssef Ben Khadda et Ben Youssef et puis monsieur Mahmoud Chérif se sont intéressés, mais c'est toujours Saad qui a continué à pas bon à discuter avec Saad. Ils se sont liés, il y a eu un feeling qui s'est créé entre eux, et les gens qui ont vécu des moments de ce genre savent très très bien que le premier contact, c'est lui qui détermine la relation. Au troisième jour, ils ont embarqué, ils sont partis à Moscou. À partir de Moscou, ils se sont séparés, mais la délégation algérienne est venue sur le Caire, et puis la délégation ou les deux personnes italiennes, M. Mattei et son collaborateur, sont partis sur Rome. Avec la promesse de se voir, parce que M. Mattei avait des intérêts en tant que ENI au Moyen-Orient et en Égypte tout particulièrement, où il avait obtenu d'Abdel Nasser un champ pétrolifère. Je devais rencontrer un journaliste américain avec lequel j'avais fait un périple au sein de l'Algérie combattante. Je devais rencontrer ce journaliste dans cet hôtel au Caire. C'était le Semiramis. Et par coïncidence, se tenait là la première conférence sur le pétrole. Pas organisé par aucun gouvernement, c'était les multinationales, c'est-à-dire essentiellement les Anglais et la CFP, la Compagnie Française du Pétrole, qui avaient réuni des experts. Et historiquement, c'est la première rencontre consacrée au pétrole. C'est ainsi que ce journaliste, qui s'appelait Joe Kraft, m'a dit qu'il y avait un important personnage italien, Enrico Mattei, qui cherchait à contacter le gouvernement provisoire. Il m'a demandé si je voulais bien le rencontrer. Donc c'était ma première rencontre avec Enrico Mattei. Ce que recherchait cet homme, c'était déjà discuter, déjà construire avec les responsables de l'Algérie combattante. En arrivant de son voyage en Chine, Saad Dahlab et les deux ministres ont fait un rapport adressé au GPRA pour dire la personne qu'ils avaient rencontrée et les avantages qu'ils pouvaient tirer de cette rencontre. Sous consiglio di La Pira, appunto un professore di istituzioni di diritto romano che si era formato nella sua gioventù in Sicilia ma poi era venuto a Firenze e diventò in maniera quasi prodigiosa sindaco e fece la prima amministrazione comunale di centro-sinistra in Italia.
Fu Mattei che gli disse: devi andare in Algeria perché lì c'è il petrolio e devi sostenere quel fronte di liberazione perché saranno loro che governeranno poi l'Algeria. J'ai voulu en savoir davantage et il m'a dit que l'idée de travailler avec l'Algérie et de manière générale l'Afrique du Nord était née chez lui déjà un certain temps. Et il avait lu, il avait analysé toute une série de documents experts réunis par les Américains, notamment des photographies d'exploration effectuées en plein milieu de la Deuxième Guerre mondiale pour repérer les gisements. Et immédiatement, j'ai facilité le contact avec le gouvernement, d'ailleurs, qui était en train de déménager en Tunisie. Et le premier contact s'est produit un mois après, à Tunis, avec le ministre de liaison et de l'armement du GPRA. Celui qui était en charge des points sensibles ou des situations sensibles était automatiquement Boussouf. Donc, c'est Boussouf qui devait prendre en charge les relations entre l'ENI et la Révolution algérienne. مزيد من اللقاءات وتبادل في وجهات النظر ستكون بين ماتي والمسؤولين الجزائريين. Il est revenu au Caire le 4 mars 1959. Après avoir été, comme je l'ai dit, reçu par Abd Nasser, il téléphone à son ami Saad Dahleb. On va le voir. Et à ma grande surprise, je vois deux messieurs qui se jettent dans les bras l'un de l'autre. Ils commencent à discuter des relations, mais Saad Dahleb qui est capable de déstabiliser beaucoup de gens. Reproche à Mattei, tu me considères comme ton ami et ton frère, et tu vas voir Abd Nasser avant de me voir. Il faut vraiment être Saad Dahleb pour parler d'un tel langage. Puis après, il parle de relations entre l'Algérie, ce que Mattei peut donner comme aide à l'Algérie. Una persona di grande valeur e di grande intelligenza, di una cultura umana vissuta, con la sua esperienza di vita. E di una persona molto decisa a fare il bene del suo paese. Il cosiddetto miracolo italiano che oggi non si ricorda, ma che c'è stato. L'Italia è negli anni, primi anni 60, nelle statistiche internazionali, è stata al quarto posto tra i 7 paesi più industrializzati del mondo. Quindi più ricchi, essendo stata fino al 1945 un paese povero di materie prime, di energia, e un paese in prevalenza rurale, non ancora completamente industrializzato. Sì, Enrico Mattei è un personaggio straordinario del nostro paese, uno dei padri della patria. Nasce nei primi anni del secolo scorso, 1906, e nasce in un piccolo borgo, Acqualagna, che si trova nell'Italia centrale, in uno dei piccoli luoghi affascinanti, tra i più affascinanti del nostro paese. Ma è proprio con la guerra e con la resistenza all'occupazione
nazista e la resistenza al fascismo che la sua personalità emerge a livello nazionale. Mattei aveva un avantage, c'est qu'il était résistant contre l'occupation allemande durant la Deuxième Guerre mondiale. Et à ce titre, il avait des sentiments pour tous ceux qui avaient envie de libérer leur pays, et c'est le cas en ce qui concerne la révolution algérienne. À l'indépendance de l'Italie, ou à la libération de l'Italie, il s'est retrouvé avec des gens qui étaient avec lui au maquis, et qui est Giovanni Gronchi, qui était président de la République, Amintore Fanfani, qui était premier ministre et ministre des Affaires étrangères, qui lui ont facilité les choses. Et il avait toute une sorte d'idées, de philosophie peut-être, des vies très précises. Et cette philosophie des vies qui était devenue de plus en plus précise pendant les années de la résistance, il avait aussi des charges et des responsabilités dans la résistance italienne, s'est traduit dans sa politique pétrolière et dans sa politique tout court. Ce que je vais dire, c'est que Mattei lui-même dit que le pétrole n'est pas une ressource comme les autres, le pétrole est une ressource politique. È un personaggio che si è fatto da solo, come tanti italiani di quegli anni. Cresce nella guerra partigiana, è un uomo che ha già lavorato nell'industria, entrandoci giovanissimo a 17 anni, perché non aveva voglia di studiare. Facendo però una carriera rapidissima, entra appunto a 17 anni come apprendista e ne esce come direttore generale a 21 anni. Si trasferisce poi durante gli anni della Grande Depressione a Milano, dove prima lavora come piazzista di prodotti tedeschi dell'industria chimica e poi apre una propria industria chimica, che va benissimo. Lui è veramente un uomo capace, un organizzatore, una persona che sa trovare degli stimoli giusti nel lavoro e quindi l'industria cresce molto bene, l'industria chimica lombarda, quindi continua a occuparsi di chimica, finché non scoppia la guerra. A quel punto l'industria viene chiusa, in questo modo evita di darla ai tedeschi, e entra nella guerra partigiana. Ha una serie di relazioni politiche, proprio a Milano, che gli consentono di entrare nella guerra partigiana. Anche lì entra come semplice partigiano e ne esce il 25 aprile del 45, camminando a fianco nella sfilata dei grandi capi partigiani della guerra partigiana italiana. Quindi anche in quel caso è stato un organizzatore, è stato quello in grado di trovare dei finanziamenti per la guerra partigiana, è stato quello che ha consentito di muovere le truppe, di nascondere delle persone, quindi è stato un organizzatore. Mattei è di fatto un grande organizzatore. بعد الحرب العالمية الثانية، ماتي وكلت له مهمة تصفية شركة وطنية إيطالية خلقت من طرف موسوليني في عام 1927 لنقل العائدات البترولية والغازية لفائدة إيطاليا. هذه التصفية كل الطبقات السياسية الإيطالية تباركها، ليس من أجل مسح الماضي الفاشي وأيضا للنتائج السيئة لمؤسسة أجيب. Mattei non è contento all'inizio di questo incarico, però poi si accorge che, soprattutto da parte degli americani, arrivano delle offerte altissime, inspiegabilmente altissime, per un'azienda che di fatto non aveva trovato niente. E lì comincia a farsi qualche domanda. Nel farsi qualche domanda viene in contatto con il direttore tecnico dell'AGIP che gli spiega che nel 1940, poco dopo lo scoppio della guerra, in pianura padana si è trovato delle cose interessanti, ma si è subito tappato tutto perché è scoppiata la guerra e che quindi Mattei deve stare attento a non svenderla questa azienda, perché la pianura padana è, come si disse in quegli anni, la cassaforte dell'Italia. Da lì parte Mattei, la sua intelligenza, la sua intuizione e il grande desiderio di dare energia all'Italia camminando sulle nostre gambe, quindi senza comprarla dall'estero, quindi senza essere dipendenti dall'estero, ma utilizzando delle risorse primarie che noi avevamo in grandissima abbondanza in pianura padana. In realtà in pianura padana poi non c'era granché, c'era un po' di petrolio di ottima qualità, ricordavano gli operai che lavoravano attorno ai campi che il petrolio estratto si poteva mettere immediatamente nel serbatoio delle macchine, senza raffinazione le macchine andavano, quindi un petrolio di qualità eccezionale, ma ce n'era poco. Invece c'era una grandissima, gigantesca quantità di gas metano e con questo gas Mattei
rimette in moto l'industria del nord, quindi il nostro triangolo industriale Genova, Torino e Milano. قرر ماتي الاحتفاظ بأجيب ووضعها تحت وصاية الدولة وجعلها الأداة المفضلة لتطور واستقلال طاقة في البلاد. بطلب من ماتي، الحكومة الديمقراطية المسيحية برئاسة ألسيد دو غاسبيري صديق ومساند لماتي يعطي قفزة نوعية لتطور الميدان الطاقوي بخلق مجموعة إوني ويدمج فيها أجيب ومؤسسات بترولية تم إنشاؤها أو الحصول عليها. هكذا في عام 1953 تحت رئاسة ماتي ليني الشركة الإيطالية الهيدروكربونية تقف في وجه الشركات البترولية الغربية القوية التي تتقاسم الخيرات الباطنية للبلدان الجنوبية. باستراتيجية الاتصال قوية من تنفيذ ماتي، ليني التي تملك أيضا جريدة الجورنو ووكالتين للعلاقات العامة تستخدم وسائل الإعلام للترويج لإنجازاتها التي هي فخر إيطاليا، تزيد رأس مال متعاطف لماتي. خلال الأزمة الإيرانية وسقوط الدكتور مصدق في 1953، ليني طبقت حصار الذهب الأسود الإيراني. يعتقد ماتي أنه يستطيع استرداد الأسهم في الكونسورسيوم الدولي الذي يسيره الأمريكيون لدعم الشركة الأنجلو-فارسية. ليني تمنع من البترول الإيراني، ما يجعل ماتي يحكي هذه القصة، قصة الهر الصغير الذي يريد أن يأكل في آنية الكلاب الكبار. Preferisco incominciare raccontando un episodio personale. Una ventina di anni fa ero un buon cacciatore e andavo a caccia nelle montagne vicino a Varzi. Sono montagne che vanno fino a 1000 metri. E andavamo a caccia a pernici e coturnici, quindi sui canaloni. Si sale e si scende dal mattino alla sera. E allora avevo due cani, un bracco tedesco e un setter. E incominciando all'alba e finendo a sera, gli uomini e i cani erano stanchissimi, morti. Ritornando in questa casa dei contadini dove facevamo, dove ci riunivamo la sera, la prima cosa che veniva fatta veniva data da mangiare ai cani. E veniva preparato un grande catino di zuppa per questi cani. E io mi stavo togliendo uno stivale e vedevo questi due cani che erano dentro con la testa nel catino e seguitavano a mangiare con voracità. Era una zuppa che forse bastava per 5 cani, non per 2. In quel momento in un angolo sentii un miagolio e vidi arrivare un gattino grande così, uno di quei gattini dei contadini, magri, affamati, deboli. Avevo una gran paura, si vedeva, perché vedeva i cani, però avevo anche una gran fame. E si avvicinò piano piano, miagolando, guardando i cani, e siccome i cani erano immersi con la testa nel catino, il gattino seguitava ad avanzare. Arrivò sotto il catino, guardò ancora i cani, fece un miagolio, i cani erano dentro che mangiavano, e con uno zampino lo appoggiò all'orlo del catino. Il bracco tedesco gli diede un colpo, lanciando questo gattino a 3 o 4 metri di distanza, con la spina dorsale rotta. Il gattino visse qualche minuto e morì. Questo episodio mi fece una grande impressione e l'ho sempre ricordato, specialmente in questi anni. E siamo stati il gattino per i primi anni, avendo contro una massa di interessi paurosa. Contro di noi si è sollevata una polemica terribile e abbiamo seguitato a lavorare, a rafforzarci, cercando di non farci colpire. Il tentativo era o di soffocarci o di lasciarci deboli. الهر الإيطالي يقرر أن يكمل طريقه بإمكانياته. في نهاية 1950
ماتي يبني في إيطاليا مصانع بتروكيميائية وينسج في المحيط شبكة خطوط أنابيب الغاز من اكتشافات سهول ألبو. هدفه الأصلي كان العالمية. لتجنب حصار الأخوات السبع أثناء الحرب الباردة، ماتي يبحث عن نفطه عند السوفيات بسعر منخفض، يقايض النفط مقابل السلع والمعدات الإيطالية. ماتي est très connu pour la formule 75-25, c'est-à-dire que par rapport à ce qu'on appelait les majors, les entreprises pétrolières anglo-saxons, qui faisaient la moitié des profits avec le pays producteur, la formule Mattei, comme on l'appelait comme ça, est plus généreuse. ماتي يتعامل بداية 1955 مع مصر جمال عبد الناصر، بعد 3 سنوات مع إيران، المغرب، تونس وليبيا. المبدأ دائما هو نفسه، شركة تخلق مملوكة على قدم المساواة من طرف ليني ومن طرف الدولة المعنية. هذا الأخير يأخذ 25% من الفوائد في مقابل 50% من نظام التوكيل المعتاد، صفقة مربحة للبلدان المنتجة. Quello che nessuno dice, portò l'ENI, purtroppo, quando ormai non era più in vita, ma portò l'ENI a concludere un contratto con l'Unione Sovietica per avere la concessione per 30 anni per tutte le attività di ricerca, di estrazione, di raffinazione, di distribuzione su tutti i territori dell'Unione Sovietica. Ma in quei 15 anni cambiò veramente l'Italia, portandola a un livello di benessere mai conosciuto, ecco. في مذكرة سرية عام 1955، سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في روما تكتب: ماتي رئيس ليني، شخص طموح لا شك فيه، يجعل من ليني دولة داخل دولة. ليني هي ماتي، وماتي هي ليني، طموحه لا حدود له. في جونفي 1956 يكتشف البترول لأول مرة في الصحراء الجزائرية في منطقة عين أميناس، اكتشاف أكبر حقول بترول جزائري في حاسي مسعود، اكتشف في جوان 1958. بعد إسقاط الجمهورية الرابعة الفرنسية تدعو فرنسا دوغول إلى الحكم، دوغول الذي يظهر كمنقذ يعد أن يجعل من الصحراء التكساس الجزائري. Ce que Mattei veut faire, c'est de, si vous voulez, décoloniser le pétrole. Le pétrole, à son avis, doit être mis au service d'une politique qui ne soit pas coloniale, colonialiste, pardon. Et ce que veut Mattei, c'est une participation des États qui ont la ressource pétrolière. Et ce n'est pas seulement une question de, comment dire, de sensibilité de Mattei pour ce qui concerne la nécessité de la libération des peuples, c'est aussi une question pratique. Mattei estime qu'il faut fonder de nouvelles relations entre l'Occident, les pays de l'Europe, pas seulement l'Italie, mais les pays européens qui ont besoin des ressources pétrolières et les pays arabes qui ont le pétrole. هذا هو الاتفاق الذي اقترحه ماتي على الجزائريين بشرط أن ينتزع البلد استقلاله. D'après ce que me disait Boussouf et ce que me disait donc Enrico Mattei, il était sûr de l'indépendance de l'Algérie. Il y avait encore 4 ans de guerre. Dès ses entretiens à Tunis, j'ai appris que
que M. Enrico Mattei souhaitait l'aide du GPRA pour un pays où il pouvait immédiatement se mettre en travail, c'est la Libye. C'est fort possible, pour ne pas dire c'est sûr, que Boussouf et la révolution algérienne étaient à même d'intervenir auprès des autorités libyennes pour aider Mattei. Là, j'ai participé. Hein. Avec Boussouf, accompagné de Francis et de Bouda, qui était le représentant donc, du GPRA en Libye, nous avons pris l'avion et nous avons reçu, dès notre arrivée, le lendemain matin, par le vénérable roi, le roi Idriss, qui vouait une admiration pour le peuple algérien. Ce dont je suis sûr, c'est que, et les gens peut-être oublient une chose, c'est que la Libye était une colonie italienne. Et les relations et la présence d'Italiens en Libye étaient tellement importantes, et M. Mattei était déjà en Libye lorsque la rencontre a eu lieu. Je dois dire que le roi Idriss a immédiatement saisi. Peut-être que pour lui, c'était une chance de sortir du trio occidental. Peut-être se sentait-il plus proche de l'Italie. De toute manière, il a dit qu'il ouvrait grand la Libye au projet d'Enrico Mattei. Ce que veut Mattei, c'est une collaboration paritaire. Et c'est intéressant ça, parce que c'est la première fois qu'on parle de ça en matière pétrolière. Et c'est pour ça que Mattei est considéré une sorte d'hérésie dans le monde pétrolier. Et la diplomatie française, notamment, regarde Mattei comme une sorte de, on le dit, à l'ambassadeur italien à Paris, bête noire. Mattei est la bête noire du Quai d'Orsay. في مواجهة المسألة الجزائرية اتبعت إيطاليا في الخمسينيات سياسة أطلنطية من جهة وتضامن النشيط مع المواطنين الجزائريين من جهة أخرى. ما هذا الغموض؟ Je ne crois pas qu'on puisse résumer l'attitude de l'Italie vers la guerre d'Algérie en parlant d'ambiguïté. Enfin, la politique de l'Italie était à l'époque très compliquée à ce sujet, parce qu'il faut tenir compte que l'Italie est un allié de la France dans le cadre européen et atlantique, mais l'Italie est aussi, ou veut mener, une politique de sympathie et d'amitié à l'égard du monde arabe, parce que l'Italie a perdu les colonies en 1949 et de ce moment-là, elle est devenue officiellement anticoloniale. Donc la politique de l'Italie à l'égard de la guerre d'Algérie doit tenir compte de ces deux volets. D'un côté, les devoirs de solidarité envers la France, alliée en Europe et au sein de l'Alliance Atlantique, et de l'autre, la nécessité de poursuivre une politique d'amitié envers le monde arabe. Je suis revenu à Milan avec ce feu vert libyen. Et à Milan, Enrico Mattei m'a amené dans un immense appartement bourgeois. Et il m'a installé là. Il m'a dit, vous pouvez rester au-delà du week-end. Et il m'a ouvert son bureau, il m'a ouvert sa bibliothèque. Dunque, dicevamo che c'era appunto una persona che si occupava della questione algerina, dicevamo appunto di Mario Pirani, che faceva frequenti incursioni, diciamo così, in Algeria, ma anche riceveva a Tunisi rivoluzionari algerini con i quali appunto c'era un continuo scambio di informazioni, pianificazioni del futuro. J'ai commencé à feuilleter
donc toute cette documentation, une riche documentation. Et j'avalais des dizaines de dossiers, de cartes, d'esquisses, de courbes. Et il y avait aussi, chose intéressante, j'ai vu une carte délimitant la Libye avec l'Algérie. Et autre chose extraordinaire, il y en avait deux copies. Donc j'ai carrément, parce que pour tout le reste, c'était beaucoup plus de l'exploration, et donc j'ai dévoré tout ce qui était donc cette riche documentation experte. Je dis bien experte parce que c'était des experts en recherche. Pétrolière et gazière qui avaient établi, imaginé le butin. Pour nous, M. Enrico Mattei est revenu le mardi suivant. Nous sommes allés à Rome. Il y avait notamment celui qui a le plus travaillé dans les dossiers, aussi bien de Milan que de l'ENI. Donc à Rome, c'est Reda Rahal. J'ai rencontré M. Mattei la première fois avant l'indépendance de notre pays. J'étais en poste à Genève dans le cadre du MALG, ministère de l'Armement, des Liaisons Générales et des Communications. Et à ce titre, j'avais été envoyé en mission par le secrétaire général du MALG de l'époque, qui était M. Khalifa Al-Arossi, en Italie, pour rencontrer M. Mattei et lui demander certaines informations qu'il a bien voulu nous donner à l'époque pour notre mouvement national. Il y a une politique officielle du gouvernement italien qui ne peut pas faire manquer à la France son appui au niveau, par exemple, des Nations Unies. Mais de l'autre, même au niveau du gouvernement et du Parlement, du milieu politique italien, il y a des courants qui deviennent de plus en plus importants de sympathie envers la cause algérienne. من الثالث إلى السادس أكتوبر 1958 عقدت اجتماعات البحر الأبيض المتوسط في فلورنس، تم تنظيمها من طرف جورجيو لابيرا الديمقراطي المسيحي. لابيرا الذي يقال عنه أنه الكاثوليكي المضيء يسعى إلى الجمع بين الأديان الثلاثة التوحيدية وبالتالي استعادة وحدة البحر الأبيض المتوسط. هذا الجسر بين الثقافات الدينية الثلاث كان وفقا له الوسيلة الوحيدة لضمان السلام بين العالم الغربي والعالم الثالث المتوسط بعيدا عن الإغراءات الماركسية والمادية. Les colloques, quelque sorte, met la question algérienne aux premières pages des journaux italiens. À la cérémonie d'inauguration du colloque, ils sont présents les chefs italiens, c'est-à-dire il y a le président de la République Gronchi. Il y a le président du conseil Fanfani, il y a aussi les sous-secrétaires aux affaires étrangères, il y a plein du monde du gouvernement italien. Donc, c'est que de la diplomatie française, c'est on accuse le gouvernement italien d'avoir appuyé une manifestation où l'indépendance de l'Algérie était réclamée par tout le monde. Fanfani est accusé dans le Parlement d'avoir mis en danger les relations entre l'Italie et la France par sa participation au colloque méditerranéen. Et Fanfani, à la Chambre des députés, répond en montrant une lettre de Gaulle qu'il a été envoyée après le colloque méditerranéen. Et dans sa lettre, de Gaulle dit
qu'il n'y a pas de problème dans les relations entre l'Italie et la France. في أواخر 1975 الطيب بولو حروف أرسل كممثل الحكومة المؤقتة إلى روما كرجل ذكي ودبلوماسي جيد يعترف به في العالم السياسي الإيطالي. كان له اتصالات مع السلطات المؤسساتية والتنظيمية واستفادة من حمايتهم. جورجيو لابيرا من الحزب الديمقراطي المسيحي اقترب من بولو حروف متعاطفا معه مطلقا عليه أوغستينو متذكرا القديس أوغستين عنابة. بولحروف تعرض لهجوم. تحقيقات شرطة روما استنتجت أن الحادثة من تدبير المخابرات الفرنسية. بولحروف يتلقى من يد وزير الداخلية السيد رامبوني سلاحا من نوع بيريطا مع رخصته. إيطاليا لا تنكر علاقتها مع فرنسا ولكن هي تدعم الجزائريين. في نوفمبر 1957 جريدة الجورنو التابعة لماتي تكتب لمن ترجع الصحراء. بالداتشي يكتب فرنسا ليس لها خيار إلى التفاوض من أجل السلام الحقيقي. ومن جهتها اليومية المستقلة التيمبو تنشر حديثا مع فرحات عباس. من الثاني إلى الثامن ديسمبر 1960 يقام الأسبوع الجزائري مع تنظيم عدة تظاهرات في عدة مدن إيطالية. بداية 1961 تنشأ لجنة تقوم بنشر مجلة تسمى ألجيريا. الشخصيات التي ساهمت في تقوية العلاقة مع الجزائر المقاومة من بينها مختلف رؤساء المجالس من ضمنهم أمينتوري فانفاني والناشط النائب البرلماني ورئيس بلدية فلورنس جورجيو لابيرا. أنريكو ماتي حشد الطبقة السياسية الإيطالية لصالح القضية الجزائرية حتى أصبحت إيطاليا الدولة الأوروبية الوحيدة أين كانت جبهة التحرير تتمتع بأكبر قدر من الدعم لنشر عملها السياسي والدبلوماسي. دحو القابلية من قدماء المالك مشيرا إلى أن النزاهة الوطنية الجزائرية المتعلقة بالصحراء هو جانب أساسي لاستراتيجية المفاوضين الجزائريين. ويقول كان دعم ماتي حاسما في هذه المرحلة. قام بالتواصل مع أقرب متعاون له الذي استقر في تونس لهذه المناسبة تحت غطاء صحفي ليتعاون مع عبد الحفيظ بوصوف وكريم بالقاسم ومحمد بن يحيى لإدارة القضايا السياسية المتعلقة بالعلاقات الأورو متوسطية والقضايا التقنية مع أعضاء المالك المشرفين على الملف الهيدروكربوني وهم محمد خلادي ورضا رحال وقصدي مرباح ومحمود حمرة كروة. خلال الاستئناف الرسمي للمفاوضات في ليروس في 11 فبراير 1962 كانت مفاجأة الوفد الفرنسي كبيرة ضد حجج الوفد الجزائري فيما يخص ملف البترول. تجربة ماتي العملية ونصائحه الحكيمة هي مصدر إلهام كبير لمجموعة العمل الجزائرية في تعريف التوجهات الرئيسية والاستراتيجية وهي القادرة على تزويد الجزائر بأكثر الحلول لاستغلال الثروة النفطية للبلاد. Les entretiens entre Boussouf et Enrico Mattei étaient secrètes. Et nous prenions en charge l'arrivée dans un avion privé. Donc nos services assuraient la logistique de ces rencontres et la protection. Il était exclu qu'on puisse attenter à sa vie en Tunisie, en Libye ou en Italie ou ailleurs. Il était certainement conscient des risques qu'il encourait. Donc Enrico Mattei a avuto delle minacce di morte di cui abbiamo tracce in archivio che sono quelle dell'OAS 1961. Arrivano due lettere firmate dall'OAS in cui si minaccia Mattei che se non smetterà di dare supporto ai rivoluzionari algerini verrà ucciso lui e tutti i componenti della sua famiglia. Da un certo punto in avanti, diciamo dal 1961, comincia a prendere alcune precauzioni. La macchina in cui si muove ha una gemella, quindi dal palazzo dell'ENI partono due macchine. La macchina di Enrico Mattei ha ancora il bollo del 1962 perché è rimasta in azienda a partire dall'ottobre del 1962. Erano due le macchine, uguali, stesso colore, stesso modello di macchina. E idem sugli aerei. Gli aerei erano due. Un aereo era a Palermo, l'altro era a Catania.
Però evidentemente questi mezzi non servono. Mattei, la moglie stessa dice che in più di un'occasione lo aveva visto molto preoccupato e chiedendogli che succede, lui aveva detto di essere preoccupato per la propria vita. Quindi certamente era in un momento, 1962, un momento per Mattei molto complicato. في 27 أكتوبر 1962 حوالي الساعة 7 مساء طائرة إنريكو ماتي القادمة من كاتانيا في سيسيليا تتحطم في باسكابي ليس بعيدا عن مطار ميلان. تم العثور على 3 جثث. جثة الطيار إرناريو بيرتوزي، جثة الصحفي الأمريكي ويليام ماك هال ممثل مجلة تايم في روما، وجثة إنريكو ماتي. في اليوم الموالي لموت ماتي في الصفحة الأولى تكتب مجلة تايم: إنريكو ماتي هو الرجل الإيطالي الأقوى الذي عرفته إيطاليا منذ سيزار أوغوست. أما جريدة ريبوبليكا جورجيو بوكا رئيس التحرير يكتب: من هو ماتي؟ مغامر وطني كبير، رجل لا يمكن التنبؤ به، غير محدود وقادر على السحر الدافئ أو الغضب الكبير، سخي ولكن مع ذاكرة كالفيل يستطيع أن يتذكر المضايقات التي يتعرض لها، يمكنه أن يخترق ويتعرف على جميع الدوائر، قادر على استعمال المال ولكن بدون أن يستفيد هو. من يستفيد من موت ماتي؟ Chi sarà stato il mandante? C'est vrai que l'OAS avait intérêt parce que pour des raisons de Sahara, d'indépendance de l'Algérie, de soutien à l'Algérie. On ne peut pas dire vraiment qui est le responsable de l'attentat vers Mattei. Il n'y a pas bien entendu de sources diplomatiques à ce sujet. On peut dire qu'à l'époque, Mattei était une sorte, je disais, de bête noire pour la France, pour l'OAS, pour ce qu'il avait fait. Surtout en Algérie, mais il faut considérer aussi que l'Algérie était déjà devenue indépendante en juillet, au moment de la mort de Mattei. C'était déjà quelques mois que la guerre d'Algérie était finie. J'exclus l'OAS pour la simple et unique raison, c'est que l'OAS n'avait pas les moyens de faire un attentat de ce genre. Ma certamente la politica di Mattei scontentava un buon numero di personaggi. Come sappiamo, Mattei muore di ritorno da Catania. Oggi sono tutti abbastanza d'accordo nel dire che la mafia siciliana ha aiutato, ma certamente non è stato il mandante. Resta il problema della mafia. Bon, c'est vrai que la mafia est à la disposition de celui qui paye. Donc je ne pense pas que ce soit les services directement, que ce soit des services français ou que ce soit des services dirigés par les sept sœurs qui aient réalisé eux-mêmes l'attentat ou attentat il y a. Donc il faut considérer éventuellement d'autres sujets. Et en plus, il faut considérer que Mattei était une sorte de bête noire aussi pour les milieux pétroliers et politiques du monde entier, parce qu'il avait conclu avec l'Union soviétique en octobre 1960 un accord colossal pour le pétrole soviétique. Et cet accord avait été considéré un scandale dans les milieux pétroliers, mais surtout dans les milieux politiques. Et donc, il y avait eu des commissions qui avaient été créées au sein de l'OTAN, au sein de la communauté européenne pour étudier l'hérésie Mattei, pour contrôler, pour faire en sorte que l'attitude de Mattei soit contrôlée au niveau politique. Donc, il y avait déjà des scandales très, très importants autour de Mattei. Beaucoup de gens parlent des sept sœurs. C'est vrai que les sept sœurs avaient intérêt à arrêter les dégâts d'une société qui leur portait préjudice. Era anche in scadenza il suo mandato. Quindi anche la politica italiana guardava Mattei
con qualche forse perplessità, non erano tutti d'accordo nel rinnovarlo, nonostante gli obiettivi fossero stati più che raggiunti, quindi da un punto di vista industriale l'azione di Mattei era stata straordinaria, da un punto di vista di opportunità geopolitica, come dicevamo, forse qualche perplessità nel governo c'era, quindi anche questo è una questione da chiarire in qualche modo, che comunque rimane sul tavolo tra le molte ipotesi che sono state fatte sulla morte di Mattei. In realtà, come sappiamo, il caso ha avuto due inchieste sostanzialmente. Una fatta immediatamente dopo la caduta dell'aereo a Bascapè, che si è conclusa nel 63, quindi molto velocemente, un'altra che è stata riavviata alla fine degli anni 90 e che invece ha visto il PM Calia lavorare molti anni. Alla fine di questa seconda indagine ci sono una serie di elementi, certezze vorrei dire, che attestano che sull'aereo di Mattei c'era dell'esplosivo. Quindi si può certamente arrivare alla conclusione che non si sia trattato di un incidente. Ma in ce qui concerne l'Algérie, il a fait énormément de choses pour que Rahmet pour ce qu'il a fait pour l'Algérie. Doveva andare in Algeria, era atteso in Algeria, infatti c'era un gruppo di persone, dei suoi ingegneri che lo attendevano, stavano lavorando alle ultime cose in Algeria. Era atteso a metà novembre in America, doveva incontrare Kennedy, anche lì per trovare un accordo con le sette sorelle. Lorsque j'ai eu la chance une deuxième fois de revoir Monsieur Mattei, c'était dans le cadre de développement des relations futures entre l'ENI et l'Algérie et le ministère de l'Industrie. Et à ce titre, je suis arrivé à Rome le soir, j'étais envoyé le matin par le ministre, je suis arrivé à Rome le soir, le lendemain, il m'a reçu dans son bureau. Il m'a fait une impression extraordinaire. Léana, c'était un monsieur, la première chose qu'il m'avait dite, alors, ça y est, vous êtes indépendant. Maintenant, il faudra se mettre au travail pour construire le pays. Et il m'a dit, voyez, tout ce que je porte sur moi, c'est du pétrole. Il était entièrement habillé de textiles d'origine pétrolière. Alors il m'a dit, je vous souhaite beaucoup de chance et vous aurez toujours le soutien de l'ENI. Et la dernière fois, c'était lorsque je suis allé représenter mon pays à ses funérailles. Je n'ai vu que sa dépouille dans l'église où il a été, où il y a eu la, où il y a eu son enterrement enfin, religieux. في فيفري 1971 الجزائر المستقلة تقوم بتأميم الغاز والبترول. خطوط الغاز التي تربط الجزائر وإيطاليا عبر تونس بنيت بمشاركة ليني، سميت أنريكو ماتي اعترافا لماتي هذا الرجل العظيم. افتتحت في أوت 1983 من طرف الرئيس الشاذلي بن جديد والرئيس بورقيبة والرئيس بارتيني. خطوط الغاز هذه أصبحت الجسر الذي يربط بين